Tu as raison. Tes plaintes étaient assez futiles. Surtout qu'en sciences humaines, vous aviez la vie facile. Pendant que vous, vous coloriez des cartes, nous, nous devions nous acharner sur nos nombreux rapports de l'art. Wow, minute! Wow, minute! Tu parles de petits travaux, là, OK? Dissertation de 15 à 18 pages, critique de source 8 à 10 pages, des travaux avec 20, 30 références. On est loin d'un petit rapport de lab de 5-6 pages où est-ce que là, on va te donner des points parce que t'as marqué le mot pêcheur dedans. Hey! Je trouvais ça cute, le petit débat science-science, mais si on s'attaque à mes rapports de lab, on s'attaque à moi. C'est rendu personnel, là. T'aimes ça, les références, les sources? On va aller directement à la source. OK, les élèves, s'il vous plaît, levez la main, ceux qui ont eu Michel Demers en histoire de 4. OK, maintenant, gardez la levée, ceux qui ont fait chimie physique cette année. Eh ben, qu'est-ce que tu leur fais, Demers? OK, il y a combien de personnes qui ont M. Pépin en physique cette année? OK, dans ceux-là, je veux juste les mains de ceux qui restent en sciences au cégep l'année prochaine. Ouais, ça baisse, hein? En tout cas, moi, j'ai pour mon dire que ça prouve d'autres choses aussi. Je sais pas ce que vous leur faites en science, mais anyways, dans ta vie, tu vas avoir besoin de quoi? Tu vas avoir besoin de relations avec des êtres humains ou des relations avec des Erlen Meyer? OK, le débat est rendu là. Lequel est le plus important? Parce que moi, personnellement, si j'ai le choix entre un nouveau médicament qui pourrait me sauver la vie ou savoir que l'acte de l'Amérique du Nord britannique a été signé en 1867, mon choix est assez facile. Hein, l'invention du moteur à réaction ou la date de l'arrivée des Jésuites. Hey, one minute! Je te l'ai déjà expliqué de toute façon! Toute chose créée par l'être humain est un document historique. Fait qu'à partir du moment où un être humain a pris un petit bout de papier, a pris un petit bout de crayon, il a écrit une petite formule de science dessus, c'est un document historique, ça appartient à l'histoire, ça prouve une chose, l'histoire est à la base de tout. Michel. Ton document historique, là, ton papier, ton encre qui est dessus, moi, la dernière fois que j'ai vérifié, là, c'était fait d'atomes et de molécules. Pas mal sûr que c'est la science qui est à la base de tout. Les gars. Vos atomes, vos histoires, d'où est-ce que vous pensez que ça vient, ça?